Et au moment où je coupe, je reçois un mot brûlé. Qui a été brûlé? Est-ce que c'est vous qui avez été brûlé? Est-ce que je suis bien dans la chambre à coucher ou est-ce que vous voulez que j'aille ailleurs? Est-ce que vous êtes là? Où vous trouvez-vous? Je suis pas allée au salon? Cuisine. Cuisine. Là, je suis pas étonnée du tout de la cuisine. Ok. On va aller à la cuisine. Oui, c'est dans la cuisine que je vois les trucs. Voilà, je suis dans la cuisine. Que s'est-il passé ici? Merci de m'avoir répondu, déjà. C'est très gentil de communiquer avec moi. Voilà, ça prouve bien en fait l'ombre noire que je vois passer du débarras de ma cuisine. Franchement, ça coïncide vraiment, c'est un truc de malade. Bon, je vais me diriger au salon de façon qui donne sur la cuisine. Mais au salon, c'est un truc de malade. Je vous écoute, à vous la parole. Je suis ici en ami et je voulais savoir qu'est-ce qui vous était arrivé. Vous m'avez dit de me rendre dans la cuisine. Arrêt. Un arrêt. Brûlé, cuisine, arrêt. Qu'est-ce que je dois comprendre avec ça? Oui, effectivement, il y a eu un petit arrêt parce que je ne vois plus l'ombre noire dans la cuisine. Vous êtes parti. Est-ce que vous êtes un ami? Êtes-vous un ami? C'est à vous de parler, je vous écoute. N'ayez pas peur. Préférez-vous qu'on communique le soir plutôt que la journée? Pour moi, c'est pareil. Donc hier chambre à coucher, aujourd'hui cuisine, brûlée. Quelqu'un se serait brûlé dans la cuisine. Est-ce qu'il y aurait un incendie? Il y aurait eu un incendie ici? Est-ce que quelqu'un est mort dans un incendie? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Merci. Je ne vous veux aucun mal, juste des réponses pour vous aider si vous je peux. Écoutez, je pense on va en arrêter là. On va recommencer tout à l'heure parce que c'est vrai qu'ici, il n'est que 17 h. Et j'avoue que j'ai plus de paroles et j'ai plus de communication le Arrêt. soir. Encore arrêt. Est-ce que vous voulez que j'arrête? Oui. Willy. Qui est Willy?
Willy est la personne qui se trouve ici? C'est lui l'homme? Et les six filles? M'a dit arrête deux fois. Est-ce que vous voulez que j'arrête? Qui est Willy? Willy, est-ce que vous êtes là? Je vous écoute. Merci de m'avoir répondu et de me parler. Pas très explicite, hein. Arrêt, arrêt, Willy, brûlé, cuisine. Faut décoder, hein. Faut vraiment décoder. Il s'est passé quelque chose ici, c'est pas possible. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup plus de communication quand je suis au salon cuisine que dans ma chambre. Donc, c'est bien, l'activité se trouve vraiment bien dans le salon et la cuisine. Dans la chambre, il ne se passe pas grand-chose. Bon, je vais arrêter pour l'instant, mais à chaque fois que j'arrête, c'est là qu'elle commence à parler. Est-ce que vous pouvez me dire un dernier mot? Avant que je coupe. S'il vous plaît. Pour que je puisse mieux comprendre la situation. Je crois qu'on n'aura pas plus de... Fermez la porte. Je repose la question une dernière fois. Qui est Willy? Willy? Bon, je pense qu'on n'aura pas d'autres réponses pour l'instant. Je recommencerai ce soir. Merci de m'avoir répondu et d'avoir discuté avec moi. Je vais vous laisser maintenant. Au revoir.